Woof, 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 woof. Woof, woof. Oh, regardez, Cookie a trouvé une jolie feuille pleine de jus. Pour son petit déjeuner. Woof. Oh, mais la feuille est trop haute. Elle ne peut pas l'attraper. Un dinosaure pourrait l'aider. Hein? Oh, je doute qu'il y ait un dinosaure dans cette histoire, Rouli. Ben, il le faudrait. Oui, le dinosaure pourrait être son ami. Ils veulent leur petit déjeuner. Oui. Mais ils ne veulent pas des feuilles. Ils veulent... du pop-corn. Mais la princesse a mangé tout le pop-corn. Hein? Car c'est la princesse au pop-corn. Ils essaient de l'attraper, mais elle est trop rapide. Pas d'inquiétude, Barbara est là. Oui. Barbara, c'est la voiture robot. Vroom. Barbara avance à toute vitesse. Il rattrape la princesse. Fraise géante. Hein? Une fraise géante, tu dis? Oui, avec des bras et des jambes. La princesse au pop-corn n'aime pas les fraises. Elle y est allergique. Les fraises la font éternuer. Ah, ah, tchoum! Elle s'est évaporée. Et Cookie a retrouvé son pop-corn. Et l'a partagé avec tous ses amis. Fin de l'histoire. Le jour, c'est une petite chienne très mignonne. Mais la nuit, c'est une petite chienne très mignonne qui combat les méchants et aide les gentils. Merci, super petit roi. Waouh! En plus, elle a des super pouvoirs. Ah bon? Lesquels? Elle a une force extraordinaire, une vue exceptionnelle et un super odorat. Oh, c'est pas vrai! Oh, j'aimerais bien qu'on soit des super-héros. Oui! Des super petits loups! Ouf! Ouf, 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 ouf! Waouh, le badge super petit loup! Ouf! Oui, je veux être un super petit loup! Oui, 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 oui! Vous ne pouvez pas devenir des super petits loups. Ben pourquoi? Parce que pour ça, il faut un costume comme Wawa. Oh, ouf! Et comme moi! Waouh! Et comme moi! Waouh! C'est une excellente idée, Youpi! La malle à déguisement! Oui! Fini! Je suis super maligne! Et voici! Tu dois te trouver un nom de super-héros si tu veux être un super petit loup, Tag! Oh, d'accord. Je suis Super Tag! Et moi, Super Souris! Super Plouf! C'est quoi ton nom, Rouli? Rouli! Oh, il faut choisir un nom de super-héros, pas ton vrai nom! Stéphane! Venez, les super petits loups, allons faire quelque chose de super! Cette aventure a l'air super amusante, n'est-ce pas, Wawa? Wouf! Super chasse! Super chasse! Super bon! Super saut! Qu'est-ce qui ne va pas, Betty? Il n'y a rien de super à faire. Personne n'a besoin de notre aide. Vous avez entendu ce bruit? Un canard. Qu'est-ce que tu as, petit canard? Oh non, tu viens de perdre ta maman. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Les super petits loups, rassemblement! Ce petit canard vient de perdre sa maman. Oh. Super souris,
Essaie d'entendre les coin-coins de la maman avec tes super oreilles. J'entends des coin-coins. Ah, par là-bas. Super Tag, envole-toi et dis-nous si tu la vois. Je vois sa famille. Ils sont dans la mare. On y va. Oh non, cette flaque nous bloque le chemin. Plouf, sers-toi de ton super plouf pour dégager la route. Plouf. Plouf, 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 plouf. Des empreintes. Voilà. Moi, j'ai trouvé une petite tortue. Moi, j'ai trouvé... Hé, hey, qu'est-ce que tu regardes? Des souris. Et qu'est-ce que tu nous veux? Hein? Voilà d'autres traces de pas. Celles... Oh! De vilains petits singes. Une empreinte, deux empreintes, trois empreintes de grenouilles. Des empreintes, des empreintes, des empreintes, des empreintes. Les empreintes d'élèves. Mais à qui appartiennent ces autres traces de pas? Ouf, ouf. Ah, bonne idée, Wawa. L'encyclopédie des empreintes d'animaux. Sont-elles celles du puma parisien? Non. De la chèvre himalayenne qui sautille? Non. Du lézard tacheté qui lézarde? Non. Du chameau à trois bosses et à la queue retroussée? Non. Le babouin mangeur de biscuits aux yeux bleus turquoise? Non, 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 non. Je sais, moi. On va suivre ces traces. Oui. Oh, les empreintes s'arrêtent devant cet arbre. Il y a quelqu'un derrière l'arbre. Ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, chérie. Je me présente, je suis Katerina, un flamant rose d'une grâce et d'une beauté inégalée. Oh, mais qu'est-ce qui peut rendre Katerina si triste? Vous avez devant vous la vedette de l'équipe de natation synchronisée des flamants roses. Mais je ne pourrai pas briller dans le grand spectacle d'aujourd'hui parce que j'ai perdu l'une de mes palmes. Ne t'inquiète pas, Katerina. On va retrouver ta palme, nous. Parce qu'on va suivre tes empreintes. Oui. Ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh, la palme de Katerina. Comment elle a atterri ici? Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin. Oh. Wakalin.